Longuenesse. Longuenesse, à la salle des fêtes communale. Hein, municipal, ouais. Nous, on dit à la salle des fêtes du village chez nous. Hein. Mais ici, on sait bien qu'on grimpe d'un cran. Hein. Alors, avec Patrice, qui est l'organisateur, je pense, de cette soirée. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors. C'est un repas dansant que nous avons fait au dernier marais à midi et demi, jusqu'à 18h, 18h30. Mais comme les gens s'amusent, ça sera peut-être un peu plus long. Et bon, on a fait un bon bénéfice. Je pense qu'on est dans une fourchette de 1100 à 1300 euros. Plus que l'année dernière, puisqu'on avait fait un chèque de 913,81 € l'année dernière. Donc, je pense que cette année, ce sera encore mieux. C'est super, hein, monsieur le maire. Mais absolument, j'ai apprécié en effet son intervention tout à l'heure, et d'autant plus que, eh bien, il a remercié de façon très solennelle le maire de Longuenesse, qui met à sa disposition la salle avec tout le matériel, etc. Et je dirais que, bien sûr, c'est pour lui faire plaisir, certes, mais aussi pour répondre favorablement à son organisation dans le cadre du Téléthon, auquel je suis très sensible. Ouais. On a déjà eu l'occasion d'en discuter, je sais, votre sensibilité vis-à-vis de notre combat. Et c'est certain que, disons, sans l'aval de la municipalité, c'est très dur à organiser parce que tout leur soutien logistique est très important. Exactement, tout à fait, vous avez raison. De plus, si on arrive à ce bénéfice-là, c'est parce qu'on n'a pas d'investissement déjà au départ. Voilà. Donc, c'est fondamental. C'est fondamental, tout à fait. Oui, tout à fait. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Et puis, ben, bonne soirée. Oui. On va peut-être manger un quartier de tarte maintenant. Et à l'année prochaine. Ah, mais j'y compte bien. Ah bon.